Bon. Je remets la bonne plan de caméra. Voilà, bonjour et à toutes. Retour de l'après-midi. Après le nunuche que je suis devoir vider de l'espace sur disque pour pouvoir sauvegarder, c'est pas avec 0 octet libre que je peux sauvegarder ma partie. Je me dis, c'est bizarre, ça fonctionne plus. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça fonctionne plus. Allez, enfin je vais pouvoir jouer après 20 minutes de flottement. Donc, retour. J'étais en train de faire de la grimpette. Oh la cascade. Je sais pas si on la voit. C'est joli. Et on va mener un assaut. On se baisse et là il y a déjà des zigotos à abattre. Ici même. Hop. L'homme au lance-roquette, il est mort. Je cherche, je cherche. Je cherche, je cherche. À couvert. Bon, lui, c'est bien pour qu'il a pas navisé. C'est visiblement, il sait pas. Ah! Il a vu que j'étais là. Merde, j'ai tiré sur l'arbre, quel con. On a quelqu'un de chance. Non, bah voilà. Balancer un molotov sur les troncs, ça prend pas. Bon, bah je pense qu'il n'y a plus personne. Parce que j'en ai comme zigouillé 5-6. Alors, revendication, ça se fait où du point de passage? L'avant-dernier, là, à réquisitionner. Où est-ce? Où est-ce, où est-ce? Ah, j'ai récupéré du matos en marchant dessus. Est-ce que c'est pas par là, par hasard? La gamelle de bouffe. J'aime bien. Ah, c'est là. Ah bah c'était le dernier. 57 de 57 postes. Pourtant, il y a un autre truc à aller voir. Et là, c'est le bord de la carte. Normalement, on quitte la frontière quand on va là. Je sais plus s'il y a un truc de programmé ou si c'est un mur invisible, on va aller voir. Alors, on surplante des loustiques qu'on peut s'amuser à zigouiller. Ah, ils ont pensé à la bouteille d'eau en récompense. Et là, normalement, je crois qu'on ne peut pas aller au-delà, normalement. J'attends le mur invisible ou le truc intelligemment fermé, voilà. La mine interdite. Personne ne peut y aller. En fait, sortie du tunnel, on est dans un autre pays qui n'est pas en guerre. Donc, access denied. Accès interdit. Est-ce qu'il y a des trucs sur les côtés? Non, non. C'est beau. D'un point de vue architectural, là aussi, ça a de la gueule. Hein. Alors, ce serait mieux cadré mon image là à l'écran, ça ferait presque carte postale. Mais c'est mal cadré. Il y a des loustiques en bas sur la berge. Je les avais vus de la rive opposée. Bon, là, ils sont sauvés par le relief et la végétation luxuriante.
Mais je pourrais faire mon sadique. Ah bah tiens. Ah oui, on les voit, je les surplombe. Je sais pas si j'aurais un intérêt à les trucider, les loustiques. Pas sûr. mince, il faut que je sorte de spawn pour voir... Alors de la carte, quoique j'aurais pu zoomer, dézoomer, mais... j'ai vu qu'il y avait encore un endroit qui était cadenassé. C'est-à-dire que j'ai pas revendiqué en trucidant tous les gardiens sur place. Tous les gardes. Et ça se passait... En face. Ouais, bah c'est une planque un cadeau, on va y aller. C'est une planque un cadeau. Ok. Alors, comment dire? La voie ferrée n'a pas servi depuis... Wouh là, alors là, c'est pas très malin. Excusez-moi, mais ça, je m'en souvenais pas. Là, là, ça devient grotesque, là, à ce niveau-là. Encore, ce serait un rail qui serait pris là. On peut se dire, tiens, ça fait 10 ans que c'est abandonné. Et que l'arbre est en train d'essayer de pousser par au-dessus en épousant la forme du rail. Mais là, non, c'est pas possible. Non, non, là, là, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Niveau réalisme... Là, oui, là, là, je veux bien. Et se dire que c'est abandonné depuis 10 ans. Mais le reste, non, j'invalide. L'arbre centenaire, non, c'est pas... Attends, j'ai entendu des gémissements avec de la lumière, on dirait qu'ils sont morts cramés dans l'incendie. C'est moi ou c'est Nigo Le gars il fume sa clope, il m'a pas vu. Non, c'est pas un mec. Oui, c'était moi. Ah, le gars, il est là-bas. Ben voilà. Plan de débloquer, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Quelque chose dans la planque. Je fais mon curieux. Voilà. Nya. Ah bah, je leur fais le plein de santé. C'est cool. La grande question. On est le matin ou on est le soir? Ah, on est le soir. Ça vaudrait le coup que je dorme ici. Et que je fasse passer la nuit. Je vais mettre 6h30 ouais, du matin, parce que le temps que je fasse la route, que... Parce que là, normalement, j'ai revendiqué tous les... Voilà, c'est l'aube. Trop bien. Trop, trop bien. Oh là là, j'adore l'atmosphère de Far Cry. Enfin, des Far Cry en général. Enfin, je radote, comme vous le savez. Mais trop, trop bien. Donc, sur la carte du jeu... Ouais, j'ai... Donc j'aurais tout fait même là-bas? Au nord? Je m'en souviens plus. Au nord, j'aurais tout fait. Bon, bah moi, il faut que je me barre dans l'île pour semer le chaos, et ça va être la suite du scénario principal, les uns. Enfin,
Oh, ce relief. Ouais, je vais être coincé sur un... Je vais prendre leur bagnole. Parce que je vais être coincé trop longtemps. Là, je suis... Moto obligé de prendre un moyen de locomotion motorisé parce que ça va mettre 3 plombes. L'Afrique est magnifique, mais là faut arrêter la déconnade. Ah, là où j'étais ballot sur le chemin de fer au bout du pont, c'est que j'ai pas vérifié s'il y avait une manette à diamant. J'ai pas jeté de coup d'œil sur le radar diamant, j'ai probablement tort. D'ailleurs, je vais rester sur la voie ferrée, enfin, sauf s'il y a des arbres centenaires qui sont dessus, mais. Il me dit que je pourrais... Mais non, je peux pas tourner, il y a la montagne. Oh la vache. Est-ce que je peux à un moment tourner sur la gauche et jouer avec les reliefs ou pas? Évidemment, j'ai un comité d'accueil, je suis un peu naïf. Merde! Ah! Je me suis encastré. Bien joué, fun fan. C'est fou les âneries qu'on débite en direct. Et dont on prend pas. Enfin, dont on prend pas conscience sur le moment en fait. Et c'est vrai que de manière détachée, on a des propos qui sont absolument dingues. Bien vu, tu m'as eu. T'es un chef. Oh, merde, j'ai coincé la Jeep. J'ai des poursuivants ou pas? J'ai des poursuivants. Oh, je vais m'amuser avec. Son loup. Il bouge plus, les gars. J'essaye de décoincer mon véhicule, moi. Je vois pas comment. Ah si, ça bouge. Si, ça passe, ça passe, ça passe. Oh, nickel. Ouais, c'est pas encore ça, mais... Ah, voilà qui est mieux. Que je les ai tous eus en plus. Ah non. Ah, ça court. Après quoi, je sais pas, mais ça court.
Bon bah ils sont mourus. Eh, ils ont endommagé mon véhicule. Gris. Je dois faire un peu de mécanique à improviser. La 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 la. Alors, par rapport à mon objectif. On va exprimer un avenir. Mais j'aurai une armurerie toute proche. Oh, je suis satisfait de mes armes. Je suis satisfait de mes armes. Il y a un quai en contrebas. Où sont les navires? Ah. Go. Alors. Cette image-là, ça fait presque un peu bête Saigon. J'ai dit un peu. Sans offense. Alors, je pense qu'il faille passer par là-bas. Je vais exploser les algues et les nénuphars en surface. Je vais faire la bouillie de la mer. Oh là, c'est super bien dessiné. C'est ça l'objectif. Personne sur place. Je pensais voir du monde. Y a personne. Attends. Sérieux? C'est quoi les instructions? Trouver le pilote de la barge sur l'île du Chacal, sur le lac Célégo. Alors, détail de mission. Donc, voilà. Trouver le pilote de la barge sur l'île du Chacal, sur le lac Ségolo. On est sur le territoire du Chacal, le fameux. Détail de mission. La chute de Boasaco, pardon, a imposé un cessez-le-feu dans le sud. Greaves n'a pas apprécié que Tamboza négocie un nouveau statu quo au lieu de se battre. Il m'a engagé officieusement pour aller sur l'île au lac Ségolo et amener les armes du Chacal par bateau à Port Selago. Cela devrait faire croire à Tombassa que l'UFSL joue double jeu, enfin joue double, et qu'il est temps de réveiller la PR, histoire de ressouffler sur les braises et relancer le conflit armé. Eh ben... Oui, tiens, oui, je peux sauvegarder d'ailleurs. Allons faire péter la poudrière! Non, pas comme ça. J'ai perdu une grenade, remboursée. Non, pas sauvegarder, l'inverse. Mais qui est nunuche, j'ai tout faux, moi, une fois de plus. Oui, rendez-moi ma grenade. J'affirme, c'était une erreur de touche. Ouin. Ouin, ouin, ouin. Bon, je vais me mettre proprement à quai. Je ne peux me mouvoir sur mon propre navire. Vache. Non mais il abuse le chacal. Il y a plus de d'armes et de munitions ici que dans un dépôt au beau milieu du désert américain. Il est fou. Ouais, je sais pas. Compartiment moteur de sa barque. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a une copie des cartes. Ouais. Ah, il y a quelques petits bugs de texture à droite à gauche, dommage.
Ça va, tranquille, il est peinard ici. Monseigneur le chacal. Par ici. Ouais. Alors, quoi de neuf ? Hakim. Vous devez être le garde. Ça fait beaucoup d'armes à livrer à Porcé là-haut, grâce au lieutenant. Cet endroit ne va pas tarder à devenir dangereux. Vous devriez aller trouver le docteur Obua quand nous serons arrivés. Dites-lui que les blessés sont en chemin. Juste par politesse. Je prévois de partir dès que j'aurai déchargé. Je passerai sur l'autre rive du lac Ségolo. D'accord. Vous devriez en faire de même. Ce n'est pas notre guerre. Mmh. Allez sur le pont pour surveiller les autres bateaux. Vérifiez qu'ils gardent leur distance. Défendre la barge jusqu'à Porcéalo. Si la barge subit une avarie, réparer le moteur. Oh, ça va être sport. Alors, Hakim et Shibi doivent amener la barge pleine d'armes du chacal à Porcéalo. Je me tiendrai sur le pont pour repousser les assaillants éventuels. Si la PR ne prend pas ses armes pour une provocation, c'est à désespérer. Eh ben. Ah, il propose même la sauvegarde, c'est dire à quel point ça va être sport. Il va y avoir du sport, mais moi je reste tranquille. C'est parti, mon kiki. Eh ben, j'en connais un qui va pulvériser mon navire. Mais oui, on embarque ma barque avec moi, c'est beau. Ah, c'est gentil de prendre mon embarcation en plus, c'est apprécié. Elle est bien bonne. Ah oui, c'est léger. Bon, je crois que c'est surtout du snipe que je vais jouer. Parce qu'on est tenté de prendre ce qui est à disposition, mais rien ne vaut le snipe en toutes circonstances. Bon, sachant que j'ai une caisse à munitions qui est assez loin, je crois. Elle est où la caisse à munitions sur la barque? Ah, elle est là. Ouais, et puis il me reste déjà plus de deux boîtes. Merde, moi. Au pire, oui, je peux faire de la mitraillette sur le... Merde, oh, décoincé, ça y est, ça commence. Oh, c'est abusé. Ah merde! Ou alors c'est le troisième homme que j'ai pas vu, mais Oh, cette séquence va être à couteau effilé. J'ai pas eu le gars qui va tirer à la roquette. Donc, ça va être une partition dont il va falloir apprendre par cœur. Donc sur les côtés, explosif, explosif. Au loin, snipe le loustique. Merde,
Hop, là je fais snipe. Il est où le mec? Je le vois même pas. Ah, il est là-bas. Ah, ah! Cool. Sa roquette a merdé. Oh merde, du mortier! Oh merde! Qui c'est qui a tiré le mortier? Oula, il y a un snipe là-bas. Où est-il? Mais il est où le mec qui tire le mortier? Oh mais non, j'ai plus de caisse à munitions! Ah non, remboursé! Ah, c'est une catastrophe. Je vais la refaire. Oh, oh là 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 là! Et j'ai pas localisé le mec qui tire les mortiers. Je suis désarmé là. De là-haut. D'accord. Attends, il est où le gars? Il va... Ah, il est là-bas. Alors lui il m'a eu et moi je suis pas sûr de l'avoir eu, sacré. Ah mais qui est merdier, mais c'est une horreur. Une horreur. Mais le gars il tire plus rien puisque je l'ai snipé. Ah, d'accord. Non mais là c'est impossible. Là le mec je vais l'allumer comme ça. Merde. Mon propre navire qui m'enquiquine dans mes tirs. Ah c'est ballot. C'est ballot. Joli! Ça c'était beau. Bon, bah. Un enquiquineur en moins. Je sais même pas si j'ai la portée pour les aiguiller, les gars. Non, j'ai cru qu'il y avait un mec, mais. Ah, il y a des gars là-bas qui m'attendent. Alors le gars est mort ou quoi? Ah oui, il y a un mec qui est mort. Pas sûr. J'essaye un dernier tir, mais à mon avis, il est pas... Pas convaincu. Est-ce que j'ai d'autres caisses de munitions sur la barge? Ah oui, il y en a là aussi. Ah bah me voilà rassuré. Ah, il y en a là aussi, oui, il y a un bordel, c'est vrai. Bon, je préfère ça. Parce que pour le reste, j'ai l'impression d'être à poil. Et on va se rendre où? Qu'est-ce qu'il appelle le port de... C'est là-haut. Là où il y a l'arrêt de bus? Sur la berge? Si j'y vais en... Bouge pas. Ne bouge pas, mec.
Il y a un mec, mais son bateau est cramé. C'est ici la berge. Ah oui, il y a un comité d'accueil. Ah, il m'a abattu le salopard. Bizarre autant qu'étrange. Comment vais-je m'y prendre? L'on se le demande. Plus nombreux que je ne pensais. En fait, les eaux du lac sont complètement investies par les mercenaires et autres tireurs de... Hein, comment procéder? Comment procéder? Mais non, mais... Je suis là, bande de nazes. Non, lui, au moins, il est mort. Ah bah là ça marche, alors que ça marchait pas tout à l'heure. T'es certain que je peux pas zigouiller? Je peux zigouiller le bâton mais pas le mec, c'est surréaliste. C'est quand même fou. Allez, une dernière. C'est bien parce que j'ai pas de munitions offertes par le chacal. J'ai l'impression que le brouillard se lève. Le brouillard se lève. Besoin de rien, pas envie de toi. Je suis en guerre contre personne. Enfin, contre des personnes. Bah alors, il est débile. Oh non! J'ai loupé sa tête. Bon, lui, c'est pas mieux. Bon, là, je pouvais pas le louper. Oh merde. Attention, lui, il est... Quoi? Une balle en plein torse, il est pas mort? Mais c'est une blague! Hallucinant! C'est moi ou son arme est meilleure que la mienne? Au loustique là. C'est quoi son truc? Oh, je préfère son navire à lui. Attends, je répare le moteur et je prends plutôt cette barque là. Bon, je pense pas que j'ai d'autres... La barque avancera à mon signal, donc c'est pas plus mal. Une fois que t'as éliminé le loustic au lance-roquettes et l'autre au mortier de chaque angle du lac, t'es tranquille après. Tu nettoies les rives des gros loustiques et la mission est presque déjà finie, si j'ose dire. Il reste 2-3 petits moustiques qui piquent, mais t'as vite fait de les claquer. Ça parle mal! Da 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 di da da da.
Bon, 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 bon. Africa, Dieu. Belle Africa. Vous chantez sous bleu. Merde. Ah non, c'est une lumière. J'ai eu peur, j'ai cru que c'était une roquette qui était tirée vers moi. Non, non, c'est un luminaire. Je suis encore trop loin pour pouvoir les sniper. Oh, qui c'est qui arrive? Oh non, mais je sais pas viser. T'as giclé, mec. Moi aussi. Je pense que régulièrement, il y a une embarcation qui apparaît. Ou au fur et à mesure que j'avance, peut-être du quai de la... du deepport de la ville. Ça pique un peu. Bah, l'inertie va tout gentiment me déposer à quai ou pas. Ouh, là par contre je suis proche. Merde. Ça va pas, non? Mais ça va pas, messieurs. Oh, ce regard. Ce regard qui m'influence. Ah, tu mériterais que je te fasse à la machette, tiens. C'est moche. C'est moche, mais c'est efficace. Quick. Dans la nuque. Bon, les vilains, vous sortez de votre planque. On va rigoler. On va tout faire sauter. Non. Dommage que j'ai pas l'angle plus large, parce que j'aurais tiré sur le moteur à côté, j'aurais tout fait exploser. Ça aurait fait un truc magnifique. Mais c'est pas mal programmé, l'idée de plus on avance, plus on déclenche les ennemis. Sur le lac, j'aime bien. J'aime bien l'idée. C'est bien conçu, bien pensé dans le scénario, c'est haletant. Le rythme reste soutenu. Je considère cela comme étant une excellente recette bien appliquée dans le jeu vidéo. Pour c'est digne d'un film d'action en fait. La 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 la. Je suis luminaire. Ah, et celui-là il est allumé. Oh, ce soleil. C'est beau. Coucou. Monsieur propre. Ouais, c'est vrai. Mais ça me fait du bien d'avoir 3 mm dégarnissés sur le crâne. Bonjour, une scène. Ça fait du bien. Alors, le truc à jamais faire en... virait d'ailleurs, que ce soit avec des lunettes, des jumelles ou je sais pas quoi, et sniper encore moins, c'est regarder de quand tu fais face au soleil. Tu te grilles instantanément la rétine. Et tu restes aveugle jusqu'à la fin de tes jours. C'est horrible. C'est horrible. Bah alors, y a pas de blue-stick sur le quai? Wouhou. Je m'ennuie, moi. Je voulais un comité d'accueil sur terre, pas que sur mer. Enfin, mer est un bien grand mot, puisque c'est un étang. Oh, je suis là, les enfants. Oh, ton table, bonjour. Ça va tranquillou, merci, et toi? La la la, la la la. Des titres, des titres, encore des titres. Bon, bah, je vais retourner à la barre. M'autoriser, là, parce que il n'y a plus personne. Ah, je suis surpris que le radar à diamant reste muet. Attends, je vais délibérément passer près de 2-3 îles où j'avais des tireurs. Il n'y a pas de mal au diamant. Alors ça, c'est quand même pas petit chaud. Il y a lui qui est... Ah bah eux, pardon. Bah, messieurs, vous êtes perdus ou...
Mais que faites-vous? Et puis il y a lui aussi. Bah alors. C'est marrant, au fur et à mesure que j'avance sur le lac, il y a des... Mais dans un sens comme dans l'autre. C'est fou ça. C'est fou. Et toujours pas de diamant. Non. C'est pas l'heure de chasser le diamant, pourrait-on dire. Ça va bien? Non, c'est cool. Ça fait plaisir à lire. Alors, l'énorme navire barge doué d'armes. Là. Et, oui, alors, si je me mets en frontal sur la barge, c'est... Je veux bien prendre la dernière boîte. Merci. Hop, au moins ils peuvent faire péter la caisse là de munitions puisqu'elle est vide. Merde, c'est vide. Oh. Alors ça, je m'y attendais pas. Non. Qui c'est qui nous rend visite? Trop stylé. Il y en a d'autres? Oh, la pression. Hop, il est mort. Oh, les salopards, ils m'ont bien eu. Petite piqûre de remontant, on va dire ça comme ça. Eh ben. En bas, il n'y avait pas une petite pharmacie ou ça, s'il y avait ça. Ouais, bah je vois bien. Toujours cette prix. Alors, qui nous fait l'honneur de nous rendre visite? Salopard. Oui, à plus. Oui, merci. À plus, à plus. Bien. Oh, ils sont chiants quand ils bougent à mort. Voilà, là, ils bougent un peu. Oh. Allez, à l'ancienne, je vais faire une économie de balles. Non, pas comme ça. Encore que... Finalement. Oups. Finalement. Doudidoudon. Ça y est, il n'y a plus de candidats au carnage sur lac, là. C'est le futur nom du lieu dit. Carnage sur lac. C'est horrible. Bon, bah, je crois que tu peux y aller, mec. Hein, mec. Non, mais... Je suis retourné contre lui. Bon, attends, on va la refaire parce qu'elle était nulle, celle-là. Ça compte pas. Trop vite. Wow, les balles sont tellement puissantes qu'elles défoncent les la tôle en... qui font le toit de la berge. Et ils arrivent à me tuer. C'est violence absolue. Et ben voilà. Nickel. Ah, a coulé. Elle a coulé la barge. Il y a d'autres candidats ou... Ah, il y a d'autres candidats. Merde, loupé. Celle-là aussi, elle va couler. Ça m'a l'air ultra scripté.
Ou alors il y a un nombre défini de navires qui doit arriver les uns derrière les autres avant que ça se décongestionne. J'espère ne pas être prisonnier d'une boucle infinie en programmation, ce qui est possible. Ce qui voudrait dire que je serais condamné à zigouiller des milliers d'équipages. À la fin, c'est horrible, je suis né à la machette. Vous savez, je saute comme un sauvage sur des embarcations et quick. Ah oui, elle a coulé. Le temps que je tourne le dos à tout le bazar, elle a coulé. Bah alors. Ah. C'est d'un chien. Bah oui, faut que tu te rapproches, abruti. Mais si je me barre avec leur embarcation... Attends, avant qu'elle coule. Je vais peut-être pouvoir la revendiquer, non? Il n'y a pas de diamant. C'est fou ça. Là-bas sur le quai, oh, on donne la vie. Il est fou. Mais non, mais. Oh. Je suis attristé. Peut-être que... Oh là là, tellement de choix possibles en fait. Parce que les deux quais m'intéressent. Pour X raisons. Donc là on est d'accord... Ah bah merde. Non ! Rends-moi mon embarcation ! Je la voulais. La 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 la. Attends, c'est un avion là ou quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est double arbre. Oh la vache. Y'a pas de diamant. Oh. Je suis tristesse. Oh, trop bien. Vas-y, monsieur. Tiens, attrape. Voilà. C'était tellement facile. Quoi? Mais d'où il me tire, lui? Oh, oh! Mais d'où il vient, le mec? Alors là, je commence à avoir des doutes sur la manière dont a été programmé le jeu et scripté la zone de jeu. Parce que là, elle va couler. Ou pas. Mais non, mais saute au lieu de tirer une... Je peux pas débarquer sur cette île. Attends, il y a forcément des trucs. Ah! Il y a des trucs qui dérangent que je pourrais découvrir. C'est pour ça que je viens de me faire abattre. Rrr. Rrr.
Eh bien, c'est loin d'être clair, cette histoire. Bah d'ailleurs, ça se demandait si je pourrais même pas monter par là. Non, c'est trop escarpé. Faut arrêter la déconnade. Qui c'est qui m'a snipé? Ah, c'est lui là-bas. J'allais sauter de la barque tout en me piquant pour me soigner, mais non, le jeu l'a refusé. Merde! Oh, puis ça m'énerve de me planter à... Hein? Voilà. Sur confondre le saut et le lancer de grenade, faut que j'arrête la déconnade. Rrr. Allez, la main pour monter à bord. Oh. Bonne de trop mignon. Voilà. Et là, parti sur ma lancée, je devrais pouvoir gérer le moustique. Ah non, c'est lui qui m'a eu, salopard. Mais il va pas recommencer en déconnant avec la sauvegarde, bordelum. Je viens de libérer 4 gigaoctets d'espace libre sur le disque. Il va pas rebugger avec les sauvegardes quand même. Je vais devenir fou. Voilà, merci. Voilà. Donc. Oh merde, il y en a un autre derrière. Oui, bah tu viendras me voir. Je ça, en moins dedans, je te dis rien. Oui, ou passe devant si tu veux. Voilà. Allez, go. Il y a des trucs sur cette île, c'est obligé. Mais ils vont pas me lâcher, hein. Oh, bande de nazes. Ah oui, mais nazes complet, quoi. Toi, t'es tellement bon. Allez, tu fais quoi, mon gars? Franchement, tu peux me dire ce que tu fais, là? Allez, mange. Tu l'as pas volé, celle-là, je te le dis, moi. Pff, qui bande de plouc. On avait dit des professionnels. Il est où le mec qui m'a tiré au mortier? C'est fou quand même. Allez, pour changer. Ah, j'avais espoir de m'en faire deux pour le prix d'un, mais c'est raté. Oui, bah tant qu'il n'y a plus qu'un mec, ça devient beau. Mais... Oh, je suis là, gars. Bah oui. Ah, oh, je peux jouer avec le navire, dis donc. C'est drôle. On peut savoir ce que vous faites, monsieur. Il est beau, lui. Il est tellement beau que je le laissais en place. Ah, oh, vous, c'est différent. Alors. Ah oui. Qu'est-ce que c'est, quoi? Vous aussi, il faut que je vous pousse sur berge. Vous avez un souci? Oh, ce jeu. Tiens, d'ailleurs, tu assassines l'autre avec le... Oh, on va le faire péter. Voilà.
On va s'éloigner, on va regarder le feu d'artifice. Oh, ça va être beau comme tout. Incroyable, mais vrai. Normalement, ça devrait flamber, hein, je crois. Au bout d'un moment, quand ça fume noir, si on attend un petit délai, les flammes prennent le dessus et boum. Voilà. Oui, la machette est belle, mais l'explosion est mieux. Oh, dommage. Et donc à quai, on a quoi? Parce que j'ai pas visité le port. D'ailleurs, on est des pagodes. Qu'est-ce qu'on a? Oh, je vais sûrement récupérer des mules. Bon, on sait jamais, lance-flamme pour que j'ai du monde. Ils ont déjà débarqué la marchandise. J'espère que j'ai pas fait bugger la mission. Ouais, c'est bien le port avec l'arrêt de bus. Oh, pas mal le tapis. Attends, à la radio, ils disent plus rien. Il y a de la musique traditionnelle. Bon, c'est bien, ça change. Ah, ça, ça fait plaisir. C'est une délicate attention. C'est quoi ça? Ah non, c'est bon, ça fait partie du décor. Bon, bah, je vais rejoindre ma berge et le mec, j'espère qu'il va bouger ses fesses du coup, parce que. Pour moi, il n'y a plus rien. Non, c'est un loustique là-bas. Sérieux? Pas convaincu. Allez, c'est parti, mon kiki. Ah oui, j'ai un moustique, effectivement. Oh, c'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule que j'en suis tristesse. Non mais oui, non mais j'ai hâte de... Voilà. Excellent tir de ma part, excusez-moi du peu. Deux tirs, deux fois mouche. Il y en a à l'arrière ou c'est moi? Ah oui. Effectivement, il y en a à l'arrière, je vais me faire trucider. Ouch. Je suis au comité d'accueil. Mais je sais pas pourquoi, mais je pressens comme un bug dans la...
dans la mission. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, point d'interrogation. Et le mec peut pas avancer? C'est trop lui demander ou... Ah, j'ai gagné des grenades. C'est ça qui est fou. Ah, le moteur est touché. D'accord. Ok, voilà. C'est ça que je voulais faire. Est-ce qu'il nous tire dessus? J'arrive pas à voir qui nous tire dessus. Ah, il y a lui. D'accord. Oh la vache, il bouge trop vite. Hey, Matrix, là, il esquive les balles ou c'est moi? Oh, c'est incroyable. Pas les animaux. Ah, j'en ai eu un. Attends, qui... Ah. Loupé. Ah, tu iras pas loin, mon gars. C'est reparti de l'autre côté. Mais non, mais... On voit qu'il essuie la balle, mais ça le tue pas, le gars. C'est affolant. Pas mal. Un gars qui tire encore. Il ou l'excité de service. Ah, on m'a buté l'exister. L'excité de service. Tiens, je vais faire un beau grand final avec le lance-roquette. Parce que je sais que j'en ai un à disposition. Vas-y voir que je rigole avec le dernier moustique là qui me tire dessus. Ouais, allez, pour le délire. Pour le délire. Terminé. Et sur le quai, vous êtes pas content? Venez, j'ai un suppositoire à offrir. Allez, adieu les bords. Eh ben merci pour la palade, mon gars. Tu es un parfait homme de main du chacal. Je valide. Je valide totalement. Et attendez, oh, j'ai droit à ma récompense. Une munition. Le mercenaire grand baboule. Alors, les nouveaux objectifs sont... Ah, si, bon, non, gars. Allez à la clinique et parlez au docteur Ubua.
Détail de mission. La barge est accostée. Hakim et Chibi m'a envoyé à la clinique du port Selao. Je dois y prévenir le docteur Obua que le cessez-le-feu va bientôt expirer. Docteur Obua, excusez-moi de vous déranger. Il va falloir partir. Ça va pétarder bientôt. Vous partir avant le coucher du soleil. C'est horrible, mais dans l'idée, c'est ça. Merde, j'ai loupé. Mon train, mon poudre, merde, mon flingue. Vite, il va accoster. Oh, il m'en bouffe des munitions, les gars. Attendez, je vais prendre la jeep et puis je vais filer au village. Parce que j'ai la fête au village. Chiché le feu. Oh, ça fait plaisir de baisser les armes. Ah, stop. Attendez, messieurs, dames, je passe. Je vais arrêter ma bagnole là, de toute façon ils ont arrêté. Il y a un cessez-le-feu dans cette zone, alors tu déconnes pas. Non mais je déconne pas monsieur, vous voulez quoi, je présente ça. Tu peux pas marcher droit pauvre crétin. Bon bref, il avait le droit de se défendre. Ah, c'est très très gentil ça. Une délicate attention, mais il est où le docteur? Il est où le doc? Oh, j'ai pas pris la bonne. Oh, c'est le. C'est le marché local. Ah, je crois que j'ai pas ça. C'est apprécié. Et pas de diamant? Oh, je suis une déception. Là, alors je sais pas si tu me regardes, fun fan, mais j'ai envie de dire qu'il y a des petits airs, tu sais, à Resident Evil 5, quand ils sont dans au marché, tu sais, avec les pièces de viande accrochées au pot de boucher. On est un peu dans l'ambiance là. Ça rejoint. L'idée est là. Bon, c'est peut-être un peu cliché pour l'Afrique, ou vraiment dans leur culture, je sais pas, je peux pas dire. Mais la carcasse fraîchement ou pas fraîchement suspendue au croûte bouchée dans le l'établi de fortune, on y revient. Mais je suis obligé par rapport à la modélisation des lieux de faire le tour comme un gros nigo. Si tu veux avoir des problèmes, continue d'avancer, crétin. Oh le hôté. Comment qu'il me parle mal? Je me suis présenté à la mauvaise façade du bâtiment, du coup je l'ai dans les dents. C'est mûche. C'est là? Bah. Merde alors. Comment je rejoins le médecin? Alors là, il y a un truc que j'ai pas capté. Pourquoi il m'a envoyé voler? Toujours pas de diamant. Le mec qui fait son intéressé. Oh. Non, je peux pas guaquer là. Il y a un cessez-le-feu dans cette zone, alors tu déconnes pas. Bah, je déconne pas, ouais, mais je fais comment pour. Rendez-vous chez le médecin! Au secours! Ah merde! C'est cette bâtisse! Ah! Je suis un abruti! Bonjour, monsieur! Ah, madame, pardon!
C'est pas courant de voir les femmes mercenaires. Dur à cuire, elle. Eh bien. Ah. Oh. Oh, je veux bien. Merci, docteur. Y'a quoi à l'étage? C'est tabou. Eh ben dis donc. Ah, pas mal le poste de télévision mis sur la fausse fenêtre. Pas mal, pas mal. Pff, écoute, le jeu propose un point de sauvegarde. Je veux pas cracher dans la soupe. Monsieur, vous avez besoin d'aide? Ah, personne n'est à l'abri de la malaria. Qui que vous soyez. Je m'appelle Aubois, je suis le seul docteur de la région. Mais ce n'est pas pour ça que vous êtes venu. Pardon, c'est juste qu'on voit tellement de mercenaires. Ah, même ce cessez-le-feu était trop demandé. Au moins vous avez pris la peine de nous prévenir. J'ai peut-être jugé un peu trop vite. Monsieur, je voudrais vous aider. Bien sûr, on a peu de médicaments, mais... Il y a des gens comme vous qui pensent aux autres. Vous revenez ici quand ce sera plus calme. J'aurai du monde à vous présenter. Alors, fuir port, c'est là-haut. Ça n'a pas été long. Je terminais juste ma conversation avec le docteur Obua. Les militaires ont surgi et ont commencé à tirer autour du bateau rempli d'armes qui était mystérieusement apparu dans les docks. Je l'avais presque atteint quand un autre étranger de la clinique m'a adressé un avertissement. Voilà. Je suis en train de boire mon café que je me suis fait ce matin, mais j'ai l'impression que j'ai un foutu moucheron qui vient de bober là. Burke. Enfin bon, c'est la nature, ça me fera des vitamines en plus. Pour vous, il y a moyen d'avoir des médicaments. Pour passer. C'est bon, on peut rien perdre. Et... Oulalalalalala. C'est la guerre civile. J'ai pas l'air débile. À me manger des requins dans la gueule. C'est hallucinant. Bon bah mon meilleur ennemi va devenir le lance-flamme. Dans beaucoup de jeux, c'est horrible, mais le lance-flamme est la solution à tout. Solution à tous vos conflits, lance-flamme. Enfin, si ça devient ma partie. Cette scène était ridicule. Refusez. On va la retourner. Action. La végétation m'a masqué la vue, je voulais scanner l'horizon véhicule pour me barrer de là, de ce merdier, et voilà le résultat. Alors là, je savais que la végétation pouvait être traîtresse, mais à ce point... Il bouge.
Ah, véhicule, merci. Mais qui c'est qui m'allume avec autant de générosité? Qui se dénonce? Je vais me retourner et balancer une grenade, on n'en parlera plus. Je pense que c'est d'ailleurs la meilleure chose à faire. Non, c'est pas ça, c'est ça que je vais faire. Comment il faut qu'on m'attend? À la roquette. Là, je pourrais pas me mettre le calme. Non, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh, je me demande s'il y a moyen de la jouer à la Rambo et éliminer tout le monde. On l'attend. Parce que franchement là je me pose des questions. D'ailleurs le mec en face. Ah non c'est pas le mec en face. Je croyais mais. Mais il était où le gars qui m'a battu dans le dos? Il était où? Je comprends pas. Je suis en état de choc. Ça va, continue de courir alors que t'enflammes, tout va bien. C'est fou. J'ai combien de mecs à mes trousses? J'ai tout un commando. Comment c'est possible? Non. Alors lui c'est abusé. Il s'est pris une énorme salve de d'essence cramée, du lance-flamme, et l'autre il arrive tranquille, mode Terminator, je te défonce. Ouais, en même temps je préfère la recommencer parce qu'il m'avait tellement bien blessé que j'étais à l'aura de la mort. N'importe quoi. On n'a pas loupé le gars qui avait le fusil à pompe.
Mais c'est pas possible, ils sont générés de manière... C'est absolument inouï. On va faire la place pour me barrer. Il y en a tellement que... C'est dingue, hein. Ah, nouvelles armes. C'est Jimmy, j'ai des patrouilleurs à mes trousses, venez aussi vite que possible. Oh. Il est où? Bah, où est-ce qu'il est? Ah, il faudrait que je prenne un navire. Ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger. Attends. Navire. Ah, je vais reprendre le véhicule et attends. Attends. Je vais descendre sur les quais, je vais y aller en ligne. J'arrive aussi vite que possible, mais le problème c'est qu'il y a tellement de monde. Incroyable. C'est... La mission est juste impossible. C'est cette fuite impossible. C'est même pas très long plus. Il va me buter. Ah, je suis au... à l'aura de la mort. J'espère que le gars que je vais sauver, il aura plein de matos, parce qu'il m'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? J'étais pris dans un échange de tir. Je vais mourir si je reste dans l'eau. Venez si vous pouvez, j'ai besoin de votre aide. J'essaye d'être rejointe aussi vite que possible, mec. T'as pas idée. Je prétends même aller plus vite que les... Oh, il y a des diamants. Que les pompiers locaux. Mais où est-ce qu'il est? Il a 15 bornes, le gars. Comment veux-tu que je le rejoigne rapidement? Wow, on voit qu'on approche de la fin. Hein. C'est mission impossible. Je suis à plein tube à foncer vers l'objectif. Cry 2. J'avais mis en pause une analyse antivirus. Eh ben, suite au prochain épisode.